Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne à cliquer pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet Coq Unu et son listing sur Binance. Attention, le projet Coq Unu peut être listé ou va être listé ou devait être listé sur Binance. Vous allez comprendre dans cette vidéo grâce à cette analyse que je vais faire avec vous. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonné, vous ratez beaucoup de choses. J'ai dit d'énormes choses. Donc abonne-toi et n'oublie pas une chose, active la clochette de notification pour être informé de toutes les actualités dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Ça, ici sur cliquer pour gagner. Comme vous le savez toujours, la citation du jour nous dit ceci: celui qui ne donne pas les moyens ne l'aura pas. Les gars, vous devez comprendre une chose, il faut se donner les moyens de faire, et ce faire va t'apporter le plus. C'est-à-dire, ceux qui veulent gagner doivent investir. Donne-toi les moyens de le faire et le faire que tu auras fait te donnera plus. C'est-à-dire, simplement comme bonjour, quelqu'un qui a 10 dollars et dit je garde mes 10 dollars à la maison, je ne veux pas investir. Est-ce que ce dernier-là aura quelque chose en retour? Il n'aura rien. Mais celui qui prend les 10 dollars, il prend le risque d'investir. Il se donne les moyens. Il a ses 10 dollars, il se dit non, je prends le risque. Il se donne ce moyen risqué. Alors, il pourra en avoir encore plus. Donc, celui qui fait aura plus. Celui qui ne fait pas n'aura rien. Celui qui ne fait pas n'a pas tenté. Donc, toi qui me regardes, qu'est-ce qui te coûte de prendre le risque par moment dans cet écosystème pour en avoir plus? Mais ceux qui ne prennent pas le risque ont toujours moins. Il y a certaines personnes, non, les crypto-monnaies c'est dangereux, je veux pas. Oui, ils ont raison, c'est dangereux. C'est parce que c'est dangereux qu'ils n'auront rien après. Mais toi qui me regardes, je suis sûr que toi tu prends le risque, quel que soit le risque, mais prenons des risques calculés. Je dis, prenons des risques calculés. C'est ça le plus important, d'accord? Alors, on va parler rapidement du Bitcoin. Le Bitcoin qui revient encore à 42 000 dollars. Hey, Bitcoin! Mais franchement, le Bitcoin qui descend en dessous de 43 000 dollars. Tantôt, elle monte à 43, 43, et tous 44. Tantôt, elle redescend à 41 et 42. Mais franchement, les gars, préparez-vous. Semblerait-il que 2024 serait notre année ou bien. Moi, je m'en fous. Moi, actuellement, je suis déjà dans mon année. Je suis déjà dans mon année. Ce qui se passe là, c'est trop rose. C'est trop rose, oui. Allons-y simplement. Alors, je tiens d'abord à parler de cette information. Et cette information est importante et capitale, s'il vous plaît. On dit ceci. Certic, qui est la société de sécurité dans l'écosystème de la blockchain, a découvert une faille de vulnérabilité sur les utilisateurs qui utilisent, je crois bien, le wallet, pas l'échangeur, je crois bien, c'est le wallet. Le wallet de OKX, les gars, c'est un des plus grands échangeurs. Et une faille de vulnérabilité a été détectée, s'il vous plaît. Adama, mon frère. Si, c'est pourquoi il dit c'est important de partager les vidéos, de cliquer pour gagner. Vous voyez combien de fois c'est important de suivre toutes les vidéos et de les partager afin d'être informé pour savoir ce qu'il faut faire et peut-être ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est pourquoi toi qui regardes cette vidéo, tu dois partager cette vidéo au marché parce que nous allons donner trois informations importantes dans cette vidéo. D'accord? Alors donc, eh oui, comme vous le voyez très bien, Certic nous dit simplement qu'il y a une faille de vulnérabilité au niveau des téléphones iPhone. Les gens qui aiment iPhone là, comme ma femme là, yo, iPhone, ceux qui ont iPhone et OKX, s'il vous plaît. Il y a une faille de vulnérabilité critique qui a été détectée récemment. Mais Dieu faisant, l'équipe de OKX a répondu que non, ils ont déjà solutionner le problème et ils ont déjà résolu, tout est ok, tout est déjà rentré dans l'ordre. Mais de préférence de faire la nouvelle actualisation. Donc c'est pourquoi je me donne ce vilain luxe de vous informer. Ceux qui ont iPhone et ont les wallets, ont le wallet Web3 de OKX, s'il vous plaît, allez-y faire la mise à jour sur votre iOS. iOS, d'accord? C'est important, c'est pas Android, iOS application. Ceux qui savent, ceux qui ont les iPhones là, ceux qui aiment parce qu'il faut aimer là. J'ai dit ça, j'étais récemment en Afrique et je voyais quelqu'un utiliser un iPhone. Et je me dis, pourquoi tu utilises un iPhone? Ça répond à ma marque. Il m'a dit simplement,
J'utilise iPhone, j'aime parce que j'aime. Ce monsieur m'a marqué et je pense que je vais mourir avec cette marque-là. Le gars ne sait pas pourquoi il aime les iPhones, mais il me dit simplement, j'aime parce que j'aime. Eh oui, c'est bon, j'aime cette réponse-là. Il m'a fait un bon coup ce jour-là. Et j'étais assis, je l'écoutais. Pourquoi il aime un iPhone? C'est parce qu'il aime, c'est tout. Sans principe, sans motif. Alors donc, je reviens maintenant aussi sur Binance. Attention. Binance, l'un des plus grands échangeurs crypto, quand nous voyons ici, Binance a un volume de 14 milliards de trading pendant ces 24 heures et Coinbase de presque 2 milliards. Donc Binance fait oui, je crois bien, fois 6, je crois bien, fois 6, oui. Oui, fois 6, un peu plus de. Non, presque, fois 8, hein, ou fois 6, voilà. Le volume que fait Binance. Mais ce n'est pas là le problème. Une deuxième information importante que tu dois prendre au sérieux, très au sérieux, et partager encore, l'une des deuxièmes motifs qui te fera partager cette vidéo, c'est cette information. Nous savons qu'aujourd'hui, Binance est en train de faire sa tontine pour les 4 milliards. D'accord? Ceux qui ont compris, je ne vais pas donner plus de détails ici. Hier soir, j'étais arrivé fatigué à la maison et il y avait eu un bon débat. Non, si j'apprécie beaucoup les débats qui se font dans le groupe VIP. Si toi qui me regardes aujourd'hui, tu n'es pas dans ce groupe-là, tu rates beaucoup de choses. Wallahi, tu rates beaucoup de choses. C'est le seul et unique groupe. Oui, du moins ce que moi je connais. Il pourrait en avoir d'autres ailleurs. Hein, que moi, Aristide, je connais. Donne les bonnes informations. Ceux qui sont dans le groupe-là, ils savent très bien de quoi nous parlons ici. Ils savent très bien. Et il y avait un de nos frères qui a présenté un projet qu'on appelle le NF Prompt, d'accord? En abréviation NFP, que Binance va lister en launch pool. Hein, et pour ceux qui vont vouloir gagner cela, hein, ils doivent laisser en stake leur BNB, leur FTUSD et le TUSDT, d'accord? Qui les deux celles-ci-là, ce sont des stablecoins, d'accord? Et le BNB, c'est la monnaie de Binance. Donc, tu laisses. Qui se rappelle du launch pool de Meme? C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, tu laisses tes crypto-monnaies en staking et tu gagneras les NFT, les NFP gratuitement, qui est un projet XY qu'ils sont en train de détailler, etc. Au même moment, vous devez voir quelque chose de très important. Quand nous venons sur CoinMarketCap, les gens sont partis taper directement NFP. Quand vous tapez NFP, NFP, quand vous tapez NFP, vous allez voir NFP, Play, NFP, NFP, et nous voyons des NFP un peu partout. Attention. Mais vous devez faire très attention. Très attention parce qu'il y a soi-disant un faux NFP. Attention, quand voilà, la communauté VIP a commencé par parler de cela, je me suis donné ce luxe de faire une analyse. Ici, nous sommes en train de voir le NFP, d'accord? Ici, là, le total supply est de 1 milliard, d'accord? Ceux qui vont lancer en launch pool est de 110 millions, d'accord? Maintenant, il nous montre ici le smart contract. Il dit, voici le smart contract. Ça, voici le smart contract. Le smart contract de NFP, c'est celle-ci. L'adresse commence, le smart contract commence par 0x7e. Maintenant, ce qui est sur comment appelle-t-on? Oui, coin market cap ici, qui est en V2. De CoinMarketCap BS, voilà, qui est en V2, c'est celle-ci. Voilà, nous allons voir. Vous allez voir que c'est deux smart contrats bien différents. Ah oui, deux smart contrats bien différents. Donc, je vous dis de faire un peu attention. Regardez ici. Regardez ce smart contrat-là. 0x6f98. Ça, c'est l'autre. Le vrai, c'est 0x75e. 8. Donc, vous voyez, il y a une différence. Regardez, il y a une différence entre celle-ci. Celle-ci, c'est vrai, 1 milliard. Mais ici, on voit Binance, le total supply pour le moment. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ils ont minté simplement que 110 milliards. Binance a minté 110 milliards. Mais le total supply
comme ils annoncent ici, serait de 1 milliard. Mais ils ont fait sortir simplement que 110 millions, c'est-à-dire 1% du total se plaint. D'accord? Et quand nous voyons ici, nous voyons qu'il n'y a seulement que deux holders. Il n'y a seulement que deux holders. Et il y a l'adresse de Binance qui hold déjà les deux. D'accord? Il y a l'adresse de Binance qui hold les deux. Or, ici, nous voyons qu'il y a déjà 280 holders dont les gens sont en train d'acheter la fausse, presque la fausse monnaie. Les gars, ce matin encore, on a encore parlé dans le groupe VIP du problème. S'il arrivait que cette monnaie-là est fausse et que ce n'est pas celle-là que Binance doit laisser. Si tu l'as, rappelle-toi, il y aura un problème sur ton wallet. En matière de sécurité, ce n'est pas tout qu'on mange. Je ne vais pas donner les détails. Ceux qui sont dans le groupe VIP et ont suivi le groupe VIP, vous avez compris. Vous avez compris. Suivez le groupe. C'est un groupe. Si tu es un investisseur crypto et tu veux être un bon investisseur, si tu es un investisseur, tu n'es pas encore un bon. Et si tu veux être un bon investisseur, mon frère, suis ce groupe-là. Le seul et unique groupe crypto, hein, où tu paies. Tu remplis d'abord ce formulaire. Il y a déjà 1938 personnes qui ont rempli ce formulaire, qui nous ont déjà contacté sur le plus 208-96-04-48-07 ou le plus 55-11-95-28-09-787 et ont soldé peut-être 60 dollars au début, 80 dollars et maintenant c'est à 100 dollars et bientôt ça va passer à 120 dollars et sont ajoutés dans un groupe. Vous avez l'information. Vous avez l'information. Après, ne venez pas pleurer après. Je dis les choses parce que je sais. Et je crois que certaines personnes feront certaines choses. Alors, je reviens maintenant sur le coq UNU. Coq UNU sur Binance. On va encore parler de Binance. Actuellement, nous sommes en train de voir la dernière fois que j'ai fait la vidéo. Cette vidéo-là. Non, si tu rates une vidéo, c'est comme chaque jour-là. Là. Attention, c'est comme si chaque jour-là, coq UNU, me fait un fois deux. Moi. Je parle de moi. Hein. Je parle de moi. D'accord? À moi. La dernière fois, je montrais ici, le coq UNU a été à combien? Regardez, c'était hier, le 19 décembre 2023, d'accord? Le coq UNU était à 5,0 après la virgule et 2,7, d'accord? Alors, on va voir ici le coq UNU. Et vous allez voir le pourquoi le coq UNU, hein, actuellement, regardez, les gars, regardez, hein, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. Il y a même certaines personnes que j'ai donné un consulting récemment, dans les jours précédents. Je les ai recommandées. Attention, parce que tu peux faire aussi un consulting, hein, avec moi. Je suis un conseiller en investissement. Et je dis, si vous le prenez, prenez les risques. Les gars ont déjà fait x2. Et sans oublier même les gens qui sont dans le goût VIP. Les gens sont en train de manger le coq. Ils mangent la tête, le pied, le corps, le poumon du coq. Mais attention, il ne faut pas tout manger sur le coq. Hein. Alors donc, je reviens en disant ceci. J'avais fait la vidéo hier, ici. Vous voyez très bien, c'était hier, d'accord? Hier, oui, il y a de cela 16 heures de temps, moi, j'ai fait cette vidéo-là. Le coq UNU était à combien? Était à 27, hein? 27. Aujourd'hui, on voit le coq UNU à 38. Attention! Donc, ça veut dire que celui qui a acheté hier, quand je faisais la vidéo d'hier, il a déjà fait 1x2. Il a déjà fait 1x2. Ce n'est pas la magie. Est-ce que c'est la magie? Non, ce n'est pas la magie, mes frères et sœurs. C'est juste, hein, être au bon endroit, au bon moment. C'est juste être au bon endroit, au bon moment. Toi qui me regardes là, tu es au bon endroit. Si tu veux être au bon endroit là, le groupe de cliquer pour que le groupe VIP là. C'est l'un des meilleurs groupes, le bon endroit pour toi. Et tu vas apprendre à manger en crypto-monnaie. La demande est très forte. On a déjà 1938, plus de 1000, bientôt 2000 personnes qui veulent adhérer à ce groupe. Mais tout le monde ne peut pas adhérer. Mais toi, tu peux adhérer si tu me regardes, si tu as la volonté. Alors, c'est pourquoi on vous dira aujourd'hui encore de se donner les moyens. Si tu ne te donnes pas les moyens, alors tu n'auras jamais les moyens. Donc, donne-toi les moyens de venir te former et tu auras les moyens de t'enrichir et d'arriver à tes objectifs. Alors, Binance qui pourra lister le projet et coq. D'accord, commençons par ces analyses rapides. Ici, nous sommes en train de voir que Cointelegraph, l'une des grandes plateformes, hein, qui informe l'écosystème, qui informe les gens de l'écosystème de la crypto-monnaie, a commencé par faire la pub. La dernière, hier, elle a fait une pub ici, Avalanche. Elle nous dit simplement que l'un des mémés coins les plus chouchoutés de la blockchain d'Avalanche. D'accord? Et il dit ça.
Alors donc, et maintenant encore, ils nous disent encore ce matin, regardez, ils nous disent encore ce matin, non les gars, Coq a déjà 30 000 holders. Effectivement, quand je faisais les vidéos là, si tu regardes les vidéos de Cliquez, c'est pourquoi il dit, il faut t'abonner et activer la cloche de notification. Coq aujourd'hui a plus de 32 000 holders. Ils sont en train de nous informer, les gars. Coq a 32 000 holders et un volume, comme nous sommes en train de le voir ici, un volume, une capitalisation de 267 millions de dollars qui pourrait arriver à 300 millions de dollars très bientôt et un volume de 61 millions de dollars. Et ils sont en train de nous dire, ah, vous voyez, c'est intéressant, c'est intéressant. Certes, quelque chose commence par se déclencher. Au même moment, ceux qui ne savent pas, c'est comme si chaque jour que Dieu fait, le projet Coq Unu gagne un listing. Donc, peut-être le tour de Binance arrivera. Aujourd'hui, c'est le tour de l'échangeur CoinEx. Ceux qui ne savent pas, ceux qui n'ont pas encore un compte sur CoinEx, je laisserai en description de la vidéo le lien exclusif et spécial qui te donne des réductions sur les frais de trading et beaucoup d'autres avantages exclusifs parce que Cliquez pour gagner est un call de CoinEx. Donc, tu cliques sur ce lien, tu crées ton compte, tu fais ton KYC et tu vas peut-être là-bas acheter ou vendre tes coques. C'est important. Utilisez CoinEx pour acheter et vendre vos coques. D'accord? Parce que CoinEx te donne l'avantage exclusif. Exclusif. Parce que tu es dans Cliquez pour gagner. Et tu auras des avantages. Donc, ils sont en train de dire simplement le trading. Le trading va commencer. Le dépôt, le retrait. Eux, ils ne s'amusent pas. Dépôt, retrait ont commencé avec le projet Coq Unu. Dépôt, retrait ont commencé. Dépôt, retrait. Ça, c'est chié même. C'est pourri. Donc, les gars, profitez de l'occasion. Venez cliquer sur le lien, hein, le lien qui est en dessous de la vidéo pour créer votre compte sur CoinEx et faire le KYC. Et là, vous avez tous les avantages exclusifs sur cet échangeur en achetant ou en vendant votre crypto-monnaie Coq Unu. Alors, est-ce Binance viendra, les gars? Rappelez-vous l'époque de Shiba. Binance viendra peut-être un jour dans Coq. Pourquoi? Parce que ceux qui suivent encore le groupe VIP, rappelez-vous de l'analyse que nous avons faite hier, que nous allons encore faire tout de suite encore dans le groupe VIP. Donc, si tu n'es pas encore dans le groupe VIP, mon frère, tu attends quoi? Viens nous rejoindre le plus vite que possible pour profiter de ces genres d'analyse et manger vivant avec nous. On se dit à tout à l'heure, à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures.